Re-salut à tous, alors bientôt à la fin. Donc je vais faire en fait, j'ai décidé, je vais faire le parcours de Cyan en entier, puis celui de Loki en entier, puis celui de Machin en entier, etc. Enfin. Pas en entier, parce que je peux pas. De toute façon, je crois bien qu'il y a des trucs où il faut libérer le passage avec les autres groupes. Je suis pas sûr, mais. Enfin, je vais aller aussi loin que je peux avec celui-là. Enfin, je vais pas changer de groupe toutes les 5 minutes, quoi. De toute façon, ça va être le bordel. Non. Oula, il va crever. Non, ça c'est trop chiant. Il crève à notre place en fait. Enfin, on crève à sa place. Voilà. Ah là, ça part ici. Nouvelle danse. Oui, alors Mog, il a que 3 danses. J'ai jamais utilisé donc. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise donc. Voilà, on est prêt. Et voilà, qui voilà. Et oui, Atma. Donc cette Atma là, c'est la dernière hein, qu'on va voir. On peut lui voler l'arme Atma. Mais vu que j'ai pas loqué, tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire? Perceuse. Oula, on va souffrir là. Il va y avoir des morts. Ouais, ouf. Je crois qu'il va crever là. Et voilà. Donc oui, c'est le seul moyen d'avoir deux armes Atma. Parce qu'on a deux armes Atma, 9999 de vie, l'offrande et le Ganganji, on peut faire 8 fois 9999. 80 000 de dégâts. Mais bon, quand on a la vie à fond, c'est bon. Mais de toute façon, j'aime pas faire ça. Sinon, les combats, ils sont chiants, c'est pas drôle. Alors, vous avez vu, ça nous crée un point de sauvegarde. J'ai envie de faire un truc là parce que. Ouais, bon. C'est bon. Et voilà. Donc, oui, 34 heures de jeu, mais en fait, non. Parce que je fais plein de gars, level up et tout le bordel. Voilà, il tombe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je vais tenter de faire. Je me rappelle plus des techniques de Sabine en fait. Voilà. Oui, elle peut tuer un coup l'arme de Sabine, hein. De Cyan. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais faire, putain? Ah oui, voilà. Voilà. Alors c'est RL XY gauche droite. Ah oui, d'accord, c'est de la merde ça. RL RL XY. Putain, putain. J'ai essayé de le faire tout à l'heure, ça a pas marché. Enfin bon. Ouais, si vous avez Mac dans votre équipe, vous pouvez aussi éviter le combat. Stéroïdite. Qui a bouffé trop de stéroïdes. Ça, c'est à cause d'influence de ce genre de jeu à la con là. Que le Tour de France, tout le monde prend des stéroïdes. Alors, franchement, merde quoi. Tout ça, c'est la faute des Japonais. Ils te mettent un monstre où il y a marqué stéroïde dans son nom. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et tout le monde prend des stéroïdes. C'est comme ça qu'on gâche le Tour de France. Je déconne, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être le bordel, ce truc. Alors là, faut pas que je me trompe, parce qu'il faut quand même que je prenne les coffres. Oh, je suis où, là? Merde, je suis où? Eh oh. Je bouge pas, j'ai pas trop bougé, là, ce qui se passe. Alors, attendez. R, L, R, L, X, Y. Ah, ça marche. Oh, bah ils sont pas résistants, dis donc. Ah oui, niveau qualité de son, j'ai pas les enceintes d'avant parce qu'elles m'ont lâché, je voulais... Non, je crois pas que je vous l'ai dit. Et donc voilà, le son est de moins bonne qualité, hein, ça se voit peut-être. Ah, ouais, quand même. Ah, d'accord. Ah, le truc de bâtard. Je dois tout me retaper. Comme ça, vous le saurez. Bon, du coup, c'est l'autre tuyau qu'il fallait prendre. Comme ça, je vais pas regretter de pas savoir ce qu'il y a dans l'autre. Y'en a trop, ils abusent là. Hitman. Enfin, en plus, ils font de la pub pour les autres jeux, ça. Ils sont vraiment à chier, c'est bizarre là. Dans la Tour du Kafka, il y a des monstres ultra chauds. Et y'en a d'autres. Mais comment c'est des bouses? C'est hallucinant quoi. Bon, c'est bon. Ok, de force. À qui je vais mettre ça? Il est déjà. Ah bah non, allez, ouais. En fait, c'est peut-être mieux, ouais. Que ça augmente quoi, bouclier de force? Ah, non. 54 de parade. Ouais, je vais laisser comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est linéaire. Parce que j'aime pas les trucs où ça dure 20 ans, là. Parce qu'on sait pas où aller. Voilà, ça c'est un bouton qu'on actionne pour les autres, pour l'autre groupe. Front Ganganji. Hyper poignet, c'est un sort de... Ruban il l'a déjà. Bon, on va laisser comme ça. Là. Je suis bien content là d'avoir fait tout le jeu. Alors, vous avez peut-être remarqué, il y a des coupures pendant le son des fois. Je sais pas d'où ça vient. Aucune idée.
Je vais faire en sorte que ça gâche pas ma dernière vidéo quand même, parce que... Et la dernière vidéo, promettez-moi, vous mettrez un commentaire. Là, je veux que tout le monde mette un commentaire sur ma dernière vidéo de FF6. Je suis sérieux. Enfin, si vous le faites pas, tant pis, mais... Enfin, si vous aimez pas, le faites pas, mais... Sinon, ouais, il y a un geste, quoi. Alors, ouais. Est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche? Je sais pas pourquoi, mais ça sent le dragon par là. Je parle pas de ces dragons là, je parle du dragon. Je vous rappelle qu'on a un dragon. Merde! On a deux dragons à battre là, pour avoir la dernière invoque. Putain, c'est combat sur combat, sérieux. Bah, y a pas de dragon. Ah, je le savais. Je vais comme sauvegarder pour pas perdre la vidéo, ça serait con. Voilà. Dragon doré, ok. Je crois qu'il est... Ah oui, je me rappelle de lui. Au bout d'un moment, il devient ultra puissant. Faut le tuer avant. Mais c'est facile de le tuer avant. Ça va pas être trop dur. Vous voyez, il est pas résistant. Hein. Mais si on attend trop, il devient puissant. Il multiplie toutes ses stats par 2 fois, un truc comme ça. Voilà. Il a pas eu le temps. Hein. Plus qu'un dragon. Ça c'était du gâteau. J'aime pas quand il fait ça. Putain, il a aucun sort, Mog. Oh, j'y crois pas. En même temps, vu qu'il fait ses danses, j'ai dû faire exprès de pas lui mettre. C'est abusé quand même. Eh merde. Putain, ça c'est des trucs de bâtard. Ah, dans FF6, il y a tous les trucs possibles. Hein. De bâtard surtout. Mais vous voyez, il y a tous les types d'altération d'état, etc. J'ai plus d'MP, putain. Quelle bande de bras cassés. Ouais. Voilà. Putain, mais du coup, j'ai dû louper un morceau là. Oh bah putain, déjà. Captain. Ouais. Si tu veux. Ouais, voilà, donc faut qu'il y ait un autre groupe qui aille de l'autre côté. Mais j'aimerais vérifier un truc d'abord. Quoi qu'il arrive, s'il y a rien là où je veux aller. Ah bah attendez. Je vais faire encore mieux que ça. Non, est-ce que c'est vrai? Ça va voir. Il est où le truc de mob là? Voilà. Parce qu'il y a un chemin où je suis pas allé. Donc là, il n'y aura pas de combat de toute façon. Je vais savoir ce qu'il y a par là. Ok. Armure de force.
farmer en défense pour lui. Mais non, on met ça tout. Bon. Tant pis. Donc voilà, on a déjà fait une route sur les trois. Pour ça, j'ai rien oublié, je crois. Il y a peut-être des petits secrets, bon, vous me pardonnerez. Hein. Voilà, ça durait une vidéo pour ça. Parce qu'on peut pas traverser là, non. Voilà, suivant. Allez, nouveau Pastrago. Ça va être moins facile à mon avis. Je suis au gardien. Je suis un peu le gros cheater, mais c'est pas grave. Bonnet rouge. Ça, ça me rappelle une bague de merde que j'avais fait. Dans la vidéo, dans une vidéo où j'avais dit. Et non pas un beau bonnet rouge. Putain, c'était une catastrophe. Du coup, je ferais mieux de la fermer, ça. Alors, offense. Alors, lui, il peut faire moi, du coup. Hop. Hypnose. Mais alors, ça, c'est pas Mog, hein, c'est Strago. Mais il porte l'habit de Mog, donc du coup, il ressemble à Mog. C'est Strago. Bah, O, XY, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Je m'en rappelle plus du truc. C'est pas bas, O, Y, X. Non. Bon, il va crever, merde. Ok, bah voilà. Tu faisais te demander. On va se quitter là. Je récite Strago. Ce qui est énorme, c'est que ça met pas qu'il est mort, ça met coma. Ah oui, parce que s'il était mort, il était mort, il est mort. Hein. Putain, ils ont rajouté du réalisme là, juste en changeant un nom. Quoi. Bon. Et bien voilà. Donc on va faire Strago, ensuite on fera Terra. Et ensuite. Kafka avec la meilleure musique du jeu. C'est un truc de barjo. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Salut.